Et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment rénover une ancienne scie à queue d'arbre. Donc c'est une scie que j'ai achetée dans un vide-grenier pour 1 €. Donc il y a pas mal de rouille sur la scie. On peut voir que c'est une scie à dos avec une poignée en bois. Il y a des vis en laiton et a priori pas de marque apparente. Mais vu la rouille et la crasse, je ne pense pas qu'on puisse voir grand chose. On verra une fois qu'elle sera nettoyée. Je commence le nettoyage avec une éponge pour enlever la terre et les gros morceaux de rouille qui sont en surface. Pour enlever les vis de la poignée, je vais me bricoler un outil à l'aide d'une rondelle. Je vais utiliser ma scie à métaux pour découper la rondelle en deux dans le sens de son diamètre. Je réalise d'abord un côté, puis je retourne la rondelle pour réaliser le deuxième côté. On aura besoin de conserver une seule des deux parties. Je rectifie pour avoir une surface bien plane avec ma lime à métaux. Je peux enfin me servir de cette rondelle pour enlever les vis de la poignée. Donc prenez bien votre temps et ajustez bien la rondelle, puisque le laiton est un matériau assez tendre qui a tendance à marquer facilement. Une fois les écrous déposés, on peut ensuite enlever les vis qui tiennent la poignée à la lame. Je vais ensuite m'aider d'un maillet en caoutchouc pour enlever la poignée de la lame. Pour enlever la rouille de la lame, je vais la plonger dans un bain de vinaigre blanc. Si vous suivez mon blog, c'est une méthode que j'avais déjà utilisée pour rénover une scie ancienne de la marque Peugeot Frères. Seulement, j'avais laissé la lame environ toute une nuit dans le vinaigre et celle-ci avait noirci et les inscriptions s'étaient effacées. Donc là, je vais la laisser beaucoup moins longtemps. Pour ne pas avoir le même problème, je vais y aller petit à petit. Donc, au bout d'une heure, je récupère le vinaigre et je le remets dans sa bouteille et je nettoie avec une éponge les pièces en laiton. Toujours avec mon éponge, je vais nettoyer la rouille de la lame. J'utilise pour cela le côté vert de l'éponge qui a un pouvoir assez abrasif mais qui n'abîme pas le métal. Là, je me rends compte qu'une inscription apparaît sur le dos de la scie, donc il est écrit John Cockerill, cast steel Sheffield. C'est donc une scie qui a été fabriquée en Angleterre dans les années environ 1890. Donc c'est une sous-marque de Spear & Jackson. Passage, je remercie Jus de Douche du forum Copain des Copeaux qui m'a aidé à dater cette scie et à retrouver son histoire. Je viens donc de réaliser un deuxième bain en laissant tremper une fois de plus une heure la lame dans le vinaigre. Un troisième bain d'une heure de temps avant de refaire un nettoyage. Un quatrième. Puis un cinquième. J'ai donc réalisé un total de 8 bains de 1 heure chacun. Tout ça parce que j'avais peur d'abîmer la lame. Bon, je pense qu'au final, j'aurais très bien pu laisser peut-être que 2 bains de 4 heures. Ça aurait sûrement fait le même effet. J'ai utilisé 2 éponges pour arriver à mes fins. J'ai décidé d'arrêter là cette technique car il y a encore quelques points de rouille qui n'arrivent pas à partir avec l'éponge et le vinaigre blanc. Je n'ai pas envie de les laisser plus longtemps, donc on verra avec une autre technique. Je sèche ensuite la lame avec un sèche-cheveux pour enlever l'eau et éviter que la rouille ne revienne. Voilà le résultat en gros plan, qui n'est pas tout à fait satisfaisant à mon goût. Je vais donc continuer de nettoyer les points de rouille qui ne partent pas avec du papier abrasif. Je vais utiliser du grain 180, 240, puis 600. Donc là, je me rends compte que les gros points de rouille partent beaucoup plus facilement. Je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par cette technique avant de faire les bains de vinaigre. Donc si j'ai l'occasion de rénover une autre scie, je me reposerai les questions pour voir quelle technique est la plus efficace.
petit rinçage à l'eau pour bien enlever toutes les particules que je viens de poncer. Et je ne résiste pas à faire encore un bain de vinaigre blanc pour enlever la rouille restante. Je vais une nouvelle fois rincer et nettoyer avec le côté vert d'une éponge pour bien enlever toutes les particules. Et je vais terminer en enlevant les points de rouille restants avec du papier abrasif à l'eau. Et cette fois-ci, le résultat est plutôt pas mal puisqu'il reste quelques traces noires et je n'ai plus du tout de rouille. Pour éviter que la rouille ne revienne sur la lame, je vais mettre dessus de l'huile de camélia. Je vais maintenant passer à la restauration de la poignée. Je vais commencer par enlever l'ancien vernis en utilisant le tranchant d'un ciseau à bois comme un racloir. Cette méthode est plutôt efficace, je n'avais pas encore essayé et je suis très satisfait du résultat. Je recommande cette technique que je trouve quand même beaucoup plus rapide et plus confortable que d'utiliser du papier à poncer. Je vais ensuite protéger cette poignée en passant une couche d'huile de lin bouillie. Maintenant que toutes les parties ont été restaurées, il ne reste plus qu'à les assembler. On va réutiliser le petit outil que l'on avait fabriqué avec la rondelle pour visser les écrous en laiton. Je vous laisse admirer le travail terminé. Je me rends compte que les dents sont quand même pas mal abîmées. Il en manque quelques-unes au centre de la lame. Donc je verrai si je me lance dans un affûtage ou si je la garde telle quelle pour le plaisir. Une petite photo pour vous rappeler l'état initial. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine. À bientôt.